Salut, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Et produit terminé, les filles, les gars, c'est plein. Fait que là, j'ai hâte de mettre ça aux poubelles. Je te montre ça, je te commande ça, je te dis, j'en pense. C'est sûr que tu vas avoir les mêmes produits passés, mais vous aimez ça, les produits terminés, donc voilà. Fait que je te montre ça. J'ai terminé le Oxy All propre et frais. Le détachant tout usage pour les vêtements blancs. Celui-là ici, moi, je l'achète au Dollarama. Celui-là, je l'ai acheté. Je trouve qu'il marche super bien. Quand t'as des trucs blancs, j'aime toujours mettre un petit peu de ça. Wow! On a entendu crier. Je pensais que quelqu'un est en train d'égorger quelqu'un. Très étrange. Donc, ça, c'est sûr que je vais racheter le plus tôt possible parce que j'aime trop. Et ensuite, girls, j'ai racheté ma teinture pour mes cheveux, mais j'ai racheté habituellement, moi j'aime bien une fois la 74, une fois la 75, une autre fois la 74 et une autre fois la 74, une autre fois la 75. La dernière fois, j'avais la 74 qui est beaucoup plus pâle, qui est plus très vif, orange très vif. Mais là, c'est la 75, est un petit peu plus, elle met un petit peu plus de brun dedans, un peu plus de chaud au lieu d'être très froid. La couleur est juste un petit peu plus chaude. Puis j'aime ça faire le mix comme ça parce que j'aime ce que ça fait au niveau de la couleur. J'aime bien. Puis ça, c'est Bella Color de Garnier. J'adore les teintures d'eux autres. Et puis, ici, c'est un produit que ma fille, elle a testé. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma fille. Elle a acheté ça aux choses de pote. Et puis, c'est les balles, les bombes pour le bain au cannabis. THC. C'était acheter ça, elle l'a mis toute, c'est une grosse, grosse balle. Elle a tout mis ça dans son bain, elle a pris un bain d'au moins presque une heure. Puis, elle a beaucoup aimé, elle trouvait que ça sentait très bon. Elle a trouvé que c'était extrêmement, ça détendait surtout et ça fonctionnait très bien, même que quand elle est sortie de la douche, elle m'a même dit, qu'est-ce que t'as stone, ça rentre dans tes pores, ça fonctionne très bien. Elle a bien aimé ça, donc ça tente de relaxer des fois, là. Ça peut faire du bien, tu sais, si tu le consommes pas pour le fumer ou pour le manger, mais tu peux consommer des produits comme ça pour ton bain. C'est cool, c'est 12,99 la balle, mais au moins ça fonctionne. Et puis ensuite, les filles, j'ai fini mon huile de pépin de raisin, donc je te montre ça, parce que j'aime bien travailler avec ces huiles-là, que ce soit pour le corps, le manger, le visage, tout ce qui est santé. Moi, j'aime beaucoup l'huile d'olive, l'huile de pépin de raisin, l'huile d'avocat, l'huile de sésame. Bon, ça, c'est une que j'aime beaucoup. J'aime bien gros, ça. Faire mes exfoliants, souvent, c'est ce que j'utilise. Et ensuite, j'ai acheté ça ici, des nouveaux choses à café pour mon espresso. Ma machine d'espresso, je les ai achetées au Walmart. De la marque Lavazza. Ceux-là, je n'avais jamais goûté à eux autres. La marque, je la connais, je l'adore, mais je n'avais pas goûté à la boîte rouge, qui est... Lalalala. Harmonico. Espresso Harmonico. Intensité 8. Il était délicieux. Vraiment délicieux. Puis ensuite, lui aussi, super bon. Le Grandizioso. Très, 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 très bon, les filles. Vraiment, là, très bon. C'est une machine d'espresso. Fonce là-dessus. C'est très bon. C'est un café de main. Ensuite, j'ai terminé grenade canneberge, grenade tisane. J'ai beaucoup mal au ventre. Pas au ventre, mais au cœur. Souvent, dans ma préménopause. Ça me donne des mal de cœur terribles souvent. Là, j'ai comme un surplus d'hormones. Je ne sais pas c'est quoi que j'ai. Mais j'ai été là, je me suis renseignée tout ça. J'ai parlé avec un pharmacien et en tout cas. Et on m'a dit que c'était souvent des signes de la préménopause. Et oui, 49 ans, on est rendu là. Et puis, ben là, j'avais rien sous la main. Je sais que le gingembre, ça l'enlève le mal de cœur. Là, je me suis acheté des tisanes gingembre. J'aurais pu m'acheter des capsules. La dernière fois, ma fille m'en avait donné une, Gravol. Mais moi, j'ai préféré le prendre en thé, en tisane. Celui-là, ben ça a passé pour les mal de cœur. Quand tu fais le pas, ça fait quand même du bien boire une petite tisane. C'est pour ça que j'en ai. Au goût, elle est super bonne. Je l'ai bien gros aimé. Ensuite, un produit pour les cheveux de la marque Aveeno. C'est un vinaigre de cidre pour les cheveux. Donc, ça, c'est ma fille. C'est un produit de ma fille. Donc, moi, je vous dis ce qu'elle me dit. C'est un vinaigre de rinçage. Elle a beaucoup aimé l'utiliser. Oui, elle va le racheter. L'odeur, elle a dit qu'elle aimait ça. Ça sent super bon. Ça sent vraiment très, 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 très bon. Et puis, ça se présente comme ça. Et elle a beaucoup apprécié ce produit-là. Donc, voilà.
Ensuite, une crème à café International Delight. Je te disais dans une autre vidéo que j'étais un petit peu écœurée de boire ça parce que je trouvais ça énormément sucré. Donc maintenant, je le mélange avec de la crème à café. Ça passe mieux, c'est moins sucré. Moi, je l'aime pareil. T'sais, j'ai pas le choix. C'est sûr, je préfère Macchiato de Starbucks. Je l'ai racheté, qui est trop bon. Mais quand il n'y en a pas, je prends lui. Et des serviettes sanitaires. Oups, je vais t'enlever ça d'en face. Des serviettes sanitaires que j'ai testées, que j'ai trop aimées. Oui, je vais les racheter, c'est sûr. C'est sans chlore, ultra mince, sans pesticides, synthétique, sans colorant ni parfum, extra longue, de nuit. Dans chaque paquet, t'en as 36 avec des ailes. Ils sont très absorbants. Je suis en préménopause et j'ai un flux extrêmement abondant, je te le jure. Et, waouh, ça... ils se présentent comme ça. Je ne sais pas si tu les connais. Je les adore. Je les avais achetés chez Walmart. Et c'était deux paquets pour 16,99. Je ne sais pas si c'est encore ça le prix. Moi, il m'en... Ben là, mon paquet est terminé. Il m'en reste quelques-unes dans un autre. Non. Ouais. Je pense qu'il m'en reste 10. Quand je vais retourner en acheter chez Walmart, je te dirai le prix. Parce que c'est juste la première fois. Moi, j'en avais acheté deux paquets. Donc, ça m'a duré quand même un bout. Et puis, j'adore vraiment le trop, là. C'est. Tu sais, si t'es porté à avoir des irritations au niveau de là. Moi, je suis pas très fragile de là. Mais j'avoue qu'à un moment donné, ça vient un peu irriter des fois. Et avec ceux-là, j'ai pas eu de problème. Donc, je les ai bien aimés. Ensuite, lingette humide de Kirkland, du Dollarama à la caisse. Toujours, j'achète. Ça n'a pas changé. Tu vois, je suis fidèle aux produits que j'aime. Je passe pas mon temps à changer. J'aime ce que j'achète. Puis quand j'aime pas, j'achète plus. Ensuite, Caprina, un savon de chèvre canadien, 100% canadien. Ça vient de chez nous. Tout est indiqué derrière. Ça fait une petite lecture. Mets-les sur pause. Et tu pourras voir les petits ingrédients, les petits trucs. J'adore. Moi, je lave mes cheveux avec ça. Je lave mon visage. Ben là, j'utilise un autre produit, mais j'ai lavé longtemps mon visage avec ça. Et souvent, je le lave. C'est top of the top pour moi. J'adore. C'est wow. Moi, j'ai utilisé ça depuis longtemps et j'adore. Et ensuite, mes chiens vous font dire que ceci, au Dollarama, ils adorent ça, les petites saucisses comme ça. Eux autres, ils aiment bien ça. On en jette tout le temps. Ainsi que les pedigrees. Les dentelles stick comme ça pour le brossage de dents des chiens. Ils raffolent de ça. À tous les matins, ils ont le petit brosse à dents. Achète chez Costco, en gros. Et ensuite, ici, j'ai terminé... est-ce que j'ai le tube? Oui! J'ai fini un contour des yeux. Je trouve plus le... Ah, ici. Enfin, j'avais coupé le tube. Je l'ai coupé pour récupérer tout le dedans parce que quand tu finis ton tube, il en reste toujours plein dans le dedans ici. Là. Donc, je l'ai coupé. J'ai fait une semaine de plus. Donc, c'est une semaine de produits, même si ça coûte pas cher, c'est pas une raison pour. Et ensuite, tu sais, je le ferme comme ça. Anyway, ça vient du Dollarama, c'est de la marque Spascription. J'adore les produits. Si tu as l'habitude de suivre mes vidéos, tu le sais. Sinon, va voir ma playlist des produits du Dollarama, tu vas tout savoir. Et c'est le contour des yeux de Spascription que j'adore. C'est un long tube, comme je viens de te montrer. Habituellement, il n'est pas coupé, bien sûr. J'adore ce contour des yeux. Tout simplement, je l'achète toujours. Et cette marque, tu peux y faire confiance. J'ai tout testé les produits. Va voir les vidéos. Tu vas voir. Ensuite, ici, un produit que ma fille, elle a utilisé. C'est Japanese Cherry Blossom. Un produit, je pense que c'est Bath & Body Works, oui. Bath & Body Works. Un petit savon comme ça. Je l'ai entendu quelquefois dire qu'elle l'aimait, mais je l'ai entendu aussi dire aussi quelquefois qu'il commençait à l'écœurer et qu'elle était comme un petit peu écœurée de l'utiliser. Elle avait très hâte de le finir. Ça sent bon, mais c'est vrai qu'à la longue, c'est comme une genre d'odeur de fleurs. Mais ça sent bon. Mais je peux comprendre que ça peut tomber peut-être ses nerfs. Mais elle a bien aimé. Les produits Bath & Body Works sont très bien. Ensuite, un produit que j'ai terminé, les filles, de mon projet panne. Je suis trop contente de mes produits. En tout cas, tu sais ce que je veux dire. Projet panne, mes produits que j'essaye de terminer. Mon bébé crème, sous-bébé crème, non, fond de teint de Donna Michelle que je t'ai présenté dans nombreux vidéos tutoriels. Je l'ai enfin fini.
J'ai bien aimé. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser ce fond de teint-là. C'est un produit que j'avais acheté du côté américain. C'est très léger, mais moi, j'aime ça. C'est exactement ce que j'aime quand j'utilise un fond de teint. C'est léger, ça s'estompe très bien dans le teint. C'est un produit qui n'est pas marquant. Ça paraît pas que tu l'as sur le teint. C'est modulable. Et ça se fond vraiment comme un charme. Ça ne marque pas les ridules. C'est hydratant. Si tu le vois un jour aux États-Unis, saute dessus, teste-le. Tu vas bien aimer, sure. Ensuite, ça, c'est pas bon. Ici, j'ai un autre petit trait de la même marque Stash. En passant, c'est la marque Stash. Donc, j'en ai un ici. C'était le Christmas Eve, la petite veille de Noël. Ça, je l'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très bon. Très, très, très bon. Il m'en reste quelques-uns encore. C'est pour ça que j'ai pas la boîte encore, mais j'ai utilisé celui-là. J'adore, j'adore. C'est relaxant. Ça fait du bien. Ça goûte bon. J'ai bien aimé. Ensuite, dernier produit, girls. Un petit produit pour les lèvres de Essence. Je m'en débarrasse parce qu'il est un peu dégueulasse. Je trouve que la texture, je sais pas. Le son. Ça serait parfait pour la ASMR. Je sais pas, la texture maker. Il est comme un peu gélatineux, élastiqueux, pâteux, crémeux, dégueu. Hein? Fait que ça, on se débarrasse de ça. Mais il m'en reste deux autres. Ils sont corrects. Ils sont extraordinaires. Ça rentre dans tes lèvres. Ça te fait une belle encre à lèvres. C'est comme mouilleux. Ça pénètre tes lèvres. C'est vraiment le fun à utiliser. J'adore. Si ça résolve, je les ai pas revus chez, à ma pharmacie où je les achète. Mais j'aimerais bien ça qu'il ait... Cette couleur-là, surtout, est trop belle. Tu sais, en ce moment, avec le maquillage, tout ça. Ah, c'est trop beau. J'adorais la couleur. Malheureusement, il est plus bon. Fait que voilà, voilà. J'ai terminé ma vidéo de produits terminés. En espérant que cette petite vidéo t'aura plu. Et puis, c'est le fun. T'as pu voir des nouveaux produits que moi, j'ai pas vraiment l'habitude d'acheter. Donc, ça te fait des nouvelles choses à voir. Donc, tu verras des choses éventuellement... quand ma fille aura terminé aussi des produits, je te donnerai les commentaires. Et puis, ben d'ici là, garde le sourire et on se revoit dans un prochain vidéo. C'est sûr, les filles, les gars. Je vous embrasse. Ciao!